C'est-à-dire qu'il est jugé d'après ses vêtements. D'accord. Comme on a vu tout à l'heure dans la halakha, que le shaliach tzibour, c'est lui qui a des vêtements longs. Parce qu'il y a un ignan que c'est le vêtement qui va juger la personne. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde, chez les goïms, les gens ils disent qu'il ne faut pas se fier aux apparences et tout. Non, dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Nous, dans la Torah, on se fie aux apparences. L'apparence, c'est le din. Rav Riachon, Rav Shalom, il dit que les goïms, il dit l'habit ne fait pas le moine. Chez nous, ce n'est pas vrai. L'habit, il fait le moine. Si quelqu'un met un habit, il deviendra, pas un moine, mais il deviendra un chassid ou un, ce qu'il a choisi comme vêtement. Parce que chez nous, le vêtement, c'est le niveau de malchut. C'est-à-dire, c'est ce que la personne, elle annonce dans sa soumission. Elle dit, voilà, je suis soumis. Je suis soumis. Le vêtement, c'est la soumission. L'apparence extérieure, c'est la soumission. C'est pour ça que c'est écrit ce que Rabbeinu dit ici, Dina de Malchuta, Dina. Et Tzedek, Rabbeinu l'amène, l'union que Prinat Abgadim, Prinat Tzedek Lavashti, c'est-à-dire Tzedek Lavashti, quand je m'habille, c'est Tzedek, c'est-à-dire c'est l'union de justice, que je vais être jugé d'après mes vêtements. Et mes vêtements, ils vont me juger. Combien on voit dans la vie, malheureusement, des gens... Comme vous dites, bien habillé et tout, mais les midot, on les cherche où elles sont. C'est pas grave, les midot. Alors qu'est-ce qui est mieux? Comment on peut se fier aux vêtements alors que les midot à côté. C'est pas tellement vous, c'est pas vous à vous fier. C'est que maintenant, quelqu'un qui met des vêtements, ça veut dire voilà ce que je veux être. C'est pas ce qu'il est. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a des mauvaises midot, il vaut mieux qu'il ait des vêtements qui correspondent aux bonnes midot plutôt qu'il ait des vêtements qui correspondent aux mauvaises midot, parce que comme ça, il ne va jamais s'en sortir. Si quelqu'un a des mauvaises midot, il est en bermuda et en sandales avec des cheveux orange et trucs, il aura beaucoup plus de difficultés que si quelqu'un il a des mauvaises midot et il se met dans un contexte vestimentaire qui va le tenir. C'est comme s'il met des menottes, des béquilles, ou il met des boulets à ses pieds pour ne pas pouvoir tuer quelqu'un. Quelqu'un, il sait que c'est un criminel ou un voleur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met des menottes. Il dit, regarde celui-là, il se promène avec des menottes. Il n'a pas honte. Il dit, oh, mais oui, parce que lui, il sait que s'il ouvre ses mains, il va voler. Alors il les attache, c'est tout. Ça c'est le lien du levouche, que le levouche c'est ce que Rabbeinu il apporte ici, que le levouche c'est le dibour, et que le dibour il est molir la Torah, et que le dibour il est chashuv mal, parce que c'est le vêtement de la Torah, et que j'ai une obligation de soigner ma parole, de nettoyer ma parole. Et je vous l'ai dit, on en a parlé beaucoup de fois, bon, Hachem, c'est une des choses, des premières que quand je suis arrivé à la yeshiva et tout avec Yitzhak Besançon, c'est une des premières choses qui m'a mis en garde. Il a dit, si tu veux faire tshuva, arrange ta bouche d'abord. Il a dit, le Hafetz Chaim disait, le docteur quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? La langue. Il tire la langue, il regarde, et là il voit tout ce que la personne elle va, il le voit sur la langue. Et il dit, si tu arranges la langue, tu vas faire tshuva. Ne dis plus des mots mal élevés, ne dis plus des trucs. Nettoie la parole. Si tu nettoies la parole, tu vas faire tchouva. Maintenant, nettoyer la parole, ça c'est un niveau vraiment minimum. Mais ici, Rabbeinu parle d'un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire de mettre du da'at pour que le dibour il puisse porter de la Torah avec du da'at. Le ridouche que Rabbeinu il apporte ici, qui est quelque chose d'extraordinaire et que ça répond à beaucoup de questions, c'est que ce n'est pas la Torah qu'on véhicule qui compte, c'est le véhicule de la Torah qui compte. C'est pas la Torah qu'on est en train de véhiculer. C'est comment elle est véhiculée. C'est ça qui compte. On peut avoir une Torah extraordinaire qui est véhiculée par un véhicule qui est sale. Alors cette Torah, elle ne pourra pas être acceptée.